Bonjour à toutes et à tous, il est 15h, bienvenue à vous pour cette nouvelle édition dont voici les principaux faits. Pour un plan régional contre la menace d'engins explosifs improvisés, tel était donc le thème d'un atelier organisé par l'IGAD sur la stratégie commune. Et le ministère de l'Éducation nationale organise deux jeux concours, la première édition du concours de jeux de mots, les mots meulés. Et dans l'actualité internationale, l'OTAN, la Turquie menace de bloquer l'adhésion de la Suède et de la Finlande. Bonjour à tous. L'association djiboutienne des professeurs de français sous la houlette de sa présidente Saada Elmi a organisé le 9 mai dernier la première édition du concours de paix de jeux de mots et le mot meulé. 12 mai donc s'est tenue au collège Fukuzawa la remise des prix du concours de jeux de mots. Cette première édition s'inscrit dans l'effort de motivation des élèves en cultivant le plaisir d'apprendre autrement en jouant avec les mots. Cette première édition ouvre la marche à une nouvelle tradition de concours, celle multiple de jeux de mots dans tous ses états, meuler, flécher, couper, devine, etc. L'événement s'est déroulé en présence des représentants de l'Agence française de développement, des hauts cadres du MENFOP et de nombreux parents d'élèves ainsi que l'Association des professeurs de français. Ce concours est destiné à promouvoir la lecture mais aussi et surtout à renforcer la qualité des enseignements et des apprentissages par la mise en place d'activités riches et diversifiées suscitant l'intérêt des élèves et les incitant à lire. En effet, les jeux de lettres sont boosters de la concentration et de la mémoire. Le directeur de l'Agence française de développement à Djibouti, Stéphane Gallet, s'est dit heureux de participer aux travaux avec des élèves enthousiastes. Il a réaffirmé le soutien de son organisation au travail du MENFOP pour le renforcement de la qualité des enseignements et des apprentissages. L'objectif de l'association, qui a été redynamisée en décembre dernier, est de renforcer l'enseignement d'apprentissage de la langue française par le biais d'activités allant de concours écrits aux ateliers en passant par des représentations. Naturellement, cela induit la performance des enseignants que l'association appuiera par des initiatives de partage d'expériences et des animations pédagogiques. C'est un vrai plaisir que d'être ce matin à Fukuzawa dans le cadre de la remise du prix sur le concours de mots mêlés organisé de main de maître par l'association djiboutienne des professeurs de français, dont je salue la dynamique présidente, Saada Elmi, et l'ensemble des enseignantes et des enseignants qui font vraiment tout. Voilà, ça c'est une association qui porte de très belles choses et qui manifestement fait plaisir aux élèves des écoles, des collèges et des lycées djiboutiens. La semaine de l'anglais à Djibouti a été célébrée du 5 au 12 mai dans les différentes écoles de la ville. La cérémonie de clôture a eu lieu au Palais du Peuple ce week-end et a vu la participation de plusieurs personnalités, dont le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle Mustapha Mohamed Mahmoud et son collègue, le ministre de la Communication chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdillahi Badone. Des invités de marque et des dizaines d'élèves de l'enseignement moyen et secondaire ont apprécié donc l'animation culturelle et les sketchs préparés à l'occasion des CNAT qui ont mis donc l'accent sur l'intérêt et la valeur de la langue anglaise dans un monde globalisé où la langue de Shakespeare est l'outil de communication par excellence. Des activités qui ont permis de faire raviver la flamme de l'anglais et lui redonner donc une importance particulière aux yeux des élèves. Wake suddenly, while the people know the wrong way. They wondered greatly that one so young and fair. Also, all the respected should have died this way. But if the accused man opened the other door, a woman came out especially for the person. Think about others. That's why humanity is evolving backwards.
Dans l'actualité également, le Djibouti Palace Kempinski a abrité du 11 au 12 mai la 4e réunion du comité technique du programme secteur de la sécurité de l'IGAD en vue de l'élaboration d'une stratégie régionale afin de prévenir, contrer et répondre à la menace des engins explosifs improvisés. Cet événement, qui revêt une importance capitale, a réuni, outre le secrétaire exécutif de l'IGAD, le directeur du programme du secteur de la sécurité de l'IGAD et des représentants d'autres États membres. Et pour cette 4e réunion du comité technique régionale sur le développement d'une stratégie régionale. Le but de la création et de la mise en œuvre d'une stratégie est de trouver des solutions durables à un problème en pleine évolution qui a été résolu de manière inefficace par des efforts de formation et d'équipement à court terme dont la plupart sont coûteux, sans fin et peu efficaces. Cette stratégie commune consiste à garantir l'approche la plus complète et la plus holistique des efforts de prévention et d'atténuation par les États membres de l'IGAD et les pays contributeurs de troupes, étant donné que les pays et les organisations individuelles ont développé leurs propres capacités dans le développement de normes internationales de lutte contre les engins explosifs, donc improvisés. Une première école de conduite ouvre ses portes, auto-école phare, antenne de communes de Balbala, Rodin 2 et PK12. La commune de Balbala abritait donc hier, 13 mai, une cérémonie d'inauguration de l'école conduite phare branche Balbala. Le président de la commune de Balbala, Mohamed Hassan Saïd, accompagné des élus locaux, à son arrivée a été accueilli sur le site par le propriétaire de la branche Balbala, auto-école phare, Abdallah Habib Abdallah Aref. Ensuite, le président de la commune, aux côtés du propriétaire de l'école, le conduite phare a procédé à l'inauguration de la nouvelle branche école conduite de Balbala, Odin 2 et PK12. L'objectif de cette agence d'école de conduite est de former des conducteurs sûrs et de les accompagner dans la responsabilisation de leurs actes. L'ouverture d'une branche locale d'apprentissage de conduite des véhicules dans la commune de Balbala est bénéfique. Maintenant, plus besoin de se déplacer au centre-ville. Fini les allers-retours incessants, en déclaré donc au micro les jeunes de cette banlieue. Et le propriétaire, donc le directeur général du centre de formation auto-école phare, a dans son propos fait savoir que Auto-école phare est basée dans le domaine de la formation en conduite automobile de différentes catégories et pour lui cette école jouera un rôle important dans la formation des jeunes pour construire leur avenir professionnel et citoyen dans la conduite. Le président de la commune de Balbala, dans son intervention, remerciait donc le propriétaire de l'auto-école phare de Balbala et d'avoir pensé donc aux jeunes de la commune de Balbala pour l'ouverture d'une branche locale d'apprentissage de la conduite des véhicules. Le président de la commune a souligné également que c'est une première dans cette commune et que désormais les jeunes de la commune vont plus donc se déplacer vers le centre-ville. Il a rappelé que la commune a un projet pour les jeunes dans le cadre d'une insertion professionnelle et de lutte contre le chômage, car cette dernière offre des opportunités d'emploi en conduite après l'obtention du permis de conduire. Hier a eu lieu à Raïsali, dans la région de Tadjoura, l'inauguration d'un nouveau site touristique. Le Loubatalé Resort est le fruit de plusieurs années de labeur et l'alliance de promoteurs hôteliers djiboutiens et français. Ce franco-djiboutien entre Loubak Omar Mohamed et Madame Pia Hoffman Van Valdo vient dans le cadre de la mise en place donc de cette nouvelle site touristique, surtout dans la promotion du tourisme écologique, tout en préservant et valorisant l'environnement afin donc de développer la région pour un développement durable. La région de Loubatalé étant connue à l'époque pour son commerce de l'encens, appelé Loubatan, qui s'exportait depuis Tadjoura vers les pays du Moyen-Orient. Tadjoura, donc branche, possède les plus beaux sites touristiques de notre pays, pardon, et c'est pour valoriser et promouvoir le tourisme de la région que ces gros donateurs ont été injectés donc dans ce projet. Loubatalé Resort se situe au creux de la baie de Raïsali et au pied des monts Mabla. On y découvre également l'art ainsi que la manière de marier les ornements et habitats traditionnels avec la modernité tout en restant en parfaite harmonie avec l'environnement en le préservant. Loubatalé, c'est un rêve, c'est une vision tout d'abord, la vision de Loubac,
qui a commencé ça il y a bien longtemps et qui a imaginé sur ce lieu incroyable de construire quelque chose d'incroyable. Et moi, j'ai suivi le projet de Loubac et sa vision. Et Djibouti, enfin surtout Loubatanlé, est un lieu où on a envie de faire vivre et partager le savoir-faire djiboutien et ce que Djibouti a apporté. Donc on est très fiers de pouvoir dire qu'ici, tout a été fait à Djibouti par des mains de djiboutiens. Et c'est un travail vraiment réussi et on est ravis de pouvoir vous accueillir et de vous montrer ceci. On a envie de faire vivre Loubatanlé, de continuer à grandir et de continuer à promouvoir la culture djiboutienne dans ce site absolument incroyable. Et les autorités de la région de Tadjoura, notamment le préfet Hassan Dabel et le président du conseil régional Omar Hussein, se sont également réjouis de la construction de ce site touristique à Loubatanlé. On les écoute. Le resort de Loubatanlé est un plus dans la région, dans le domaine du tourisme. Ce qui est fait aussi, et ce que nous avons fait, vu ici aussi, est un plus parce que c'est une nouveauté, et je dirais même aussi un luxe pour la région, et qui va aussi augmenter la capacité touristique de cette région. Et pour cela, je félicite les promoteurs, en particulier Loubac, et qui a passé du temps. Parce que pour construire ici, il fallait de la patience et de la volonté. Un endroit vraiment isolé. Et il fallait aimer aussi ce qu'on a envie de faire. Le tourisme à Djibouti a un potentiel important. Et nous avons aussi besoin de ces promoteurs pour augmenter nos capacités d'accueil et pour faire venir aussi les touristes du monde. Je pense que c'est ça qui va se passer ici et on les remercie. C'est vraiment une aubaine pour la région de Tadjoura. Le tourisme est un secteur très prometteur. On voit aussi dans cette resort qui était déjà en place il y a 5 ou 6 années avant et qui aujourd'hui est pris par deux associés, et madame à mes côtés et puis monsieur Loubac. Et donc non seulement les deux promoteurs nous ont dit qu'ils vont accueillir aussi des touristes internationaux qui vont passer ici. Donc le relooking est vraiment majeur. Je félicite les deux promoteurs et je souhaite bon vent à ces resorts qui est placé bien sûr dans le golfe de Tadjoura. Intensification et sensibilisation de la campagne de vaccination contre la Covid-19 dans les régions de l'intérieur. C'est ainsi qu'une délégation conduite par le conseil technique du ministre de la Santé au coordinateur du Covid-19, Dr Omar Mahmoud, accompagné des membres de l'UNICEF, s'est rendue hier dans la région d'Addis Abeba. Le but de ce déplacement était donc de rencontrer les autorités régionales, les acteurs clés de la société civile pour un atelier de concertation afin de mettre en place une nouvelle stratégie de redynamisation et de relance de la sensibilisation du vaccin anti-Covid-19 au niveau régional. L'atelier a vu la participation du préfet de la région, du président du conseil régional, des députés de la région, du directeur général par intérim de l'hôpital régional et du vice-président du conseil régional. Les autorités de la région ont insisté donc sur le fait de profiter de ces vaccins pour se protéger et afin de poursuivre l'accélération de la campagne de vaccination, le ministère de la Santé, a pris l'initiative d'intensifier la sensibilisation de la vaccination en collaborant avec les autorités régionales ainsi que les parties prenantes afin d'atteindre le maximum des personnes âgées de plus de 18 ans et vivant dans le territoire Assadjoug, Benin Djoug. Et enfin, un fait divers pour clore l'actualité nationale. Opération coup de poing de la part des gardes-côtes djiboutiens dans la journée d'aujourd'hui. La garde-côte djiboutienne a mis en place une opération d'envergure, de rafle et de ratissage dans les mangroves situées sur le long du corridor de la route de Venise, derrière le Bawadi Mall. L'objectif principal de cette opération était de débarrasser les individus qui ont élu résidence dans ces mangroves et qui constituent un risque pour la sécurité et la tranquillité de l'espace public. Ainsi, c'est un total de 5 individus
individus qui ont été interpellés dans le cadre de cette opération de rafle de ratissage, ainsi que 2 grands sachets de stupéfiants, un nombre important d'armes blanches et un PC portable également. Une opération s'inscrit donc dans le cadre de plus large des dispositions prises par la garde-côte pour assurer la sécurité et la sûreté des installations portuaires et de leur corridor le plus proche. Et là, nous passons à l'actualité internationale. L'OTAN, la Turquie menace de bloquer l'adhésion de la Suède et de la Finlande. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a exprimé hier son hostilité à l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'OTAN au risque de bloquer l'ensemble du processus qui requiert l'unanimité des membres de l'Alliance Atlantique. Erdogan a en outre reproché à Stockholm et Helsinki de servir d'auberge aux terroristes du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, classé comme organisation terroriste par la Turquie, mais aussi l'Union européenne et les États-Unis. Ces déclarations jettent un froid sur un processus appuyé jusqu'ici par la plupart des membres de l'OTAN et par la secrétaire générale de l'Alliance, qui s'est dit prêt à les accueillir à bras ouverts. Une fois la décision prise par un pays tiers d'adhérer, les membres de l'OTAN doivent en effet accepter à l'unanimité de l'inviter à les rejoindre. La Suède et la Finlande ont fait savoir simultanément qu'elles souhaitaient continuer de discuter de la situation avec la Turquie lors de la réunion ce week-end des ministres des Affaires étrangères de l'OTAN à Berlin. Et après des décennies, alors que des alliances militaires Helsinki et Stockholm, toutes deux non alignées, sont prêtes à annoncer officiellement leur candidature à l'OTAN, conséquence directe de l'invasion russe de l'Ukraine. Et enfin, la culture du tournesol plus rentable revient à la mode. La guerre en Ukraine fait grimper les prix du tournesol à des niveaux records, la Russie et l'Ukraine faisant partie des plus grands producteurs. C'est dans ce contexte que certains agriculteurs du reste de l'Europe reviennent à cette culture, désormais bien plus rentable. C'est le cas de Régis Bonin, agriculteur en Essarte, en Bocage, en Vendée. Nous avons pris la décision en mars, surtout malheureusement avec la guerre en Ukraine et l'explosion des prix du tournesol. Cultivé des tournesols il y a 20-25 ans, on a arrêté la culture à cause des parasites, des pigeons, puisqu'il fallait ressemer, ça posait des problèmes. Avec des prix de 300-350 euros, c'était une culture qui n'était pas très rentable, donc il valait mieux faire du maïs, du blé ou du colza, et l'on a un peu laissé de côté. Si la crise se prolonge, d'autres agriculteurs pourraient suivre le mouvement. Cela pourrait leur permettre d'engranger de beaux bénéfices tout en réapprovisionnant le marché local. C'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur Télé Djibouti.